Pense. Il faut qu'on arrive à se calmer l'esprit et nous revoici bien sûr sur Unravel. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que si vous étiez toujours sur le stream, j'espère que ça va bien, bien sûr. Et si vous venez de nous rejoindre sur YouTube, eh bien, welcome. Installez-vous, posez-vous tranquillement. J'ai faim. Allez, on y va. Pour la suite. Alors, il va falloir qu'on se remette les touches en tête et tout ça. Ok, donc ça, c'est celui qu'on avait fait. Dans le trou, on peut pas. SAC, on peut pas. Ok, donc ça va être de l'autre côté. Ah mince, d'ailleurs, par où ça peut être? Par là? Ah, non? Mince, j'arrive même pas à trouver le niveau, putain. Où est-ce que ça va être? Y a quoi par là-bas? Y a quelque chose, mais on peut pas. Ah, mais voilà, hors piste. On y va. Du coup, ce soir, c'est la suite et la fin de notre épisode. Renoisine. On va. Notre petite série sur Unravel. On va jouer jusqu'à finir le jeu. Ça devrait pas être très long. C'est quand même magnifique, hein. Putain, ça change. Hein. Tellement contemplatif comme jeu. C'est tellement beau, tous ces détails et tout. Putain. Ça me sert de sauter là-haut là. Pas grand-chose. Oh, regardez-moi ça. Un mini serpent. Ok, il s'en fiche. Je pensais que ça allait le tenir un petit peu quand même. Pas du tout. Oh, c'est abusé. Oh, le piège. Oh, le piège salace. On va voir que j'arrive à compter ma licorne de voiture. Elle est sauvage en plus. À dompter, tu voulais dire? Par contre, faut quand même que j'arrive à aller de l'autre côté, en fait. Donc, peut-être qu'il faut que je l'accroche à l'autre là.
On va essayer. Ah voilà. Oh non, mais ça me dégoûte. Bon, au moins on a trouvé ce qu'il fallait faire. Dompté, oui. Merci le clavier auto et la tablette. Il n'y a pas de souci. Ok. Ah! Comment je suis censé faire pour aller là-bas? Ouais, c'est comme ça. Allez! Oui! Parfait. Ah, c'est rond pour tirer, pardon, je me suis trompé de touche. Oh non! Bah oui, il y a du courant, connard. Oh putain! Oh, sa mère, c'était chaud, sa mère! Ah, ok. Du coup, si je fais ça. Pas du tout. Par contre, si je fais ça. Oh non! Remonte, petit. Remonte! Oh putain de merde. Ouais, yes. Ah. Alors là, c'est la merde. Merde. Oh. Mais bordel! C'est incroyable ça! Voilà. Je vais encore pousser. Oui.
veut. C'est clairement pas facile. On est d'accord. Aller là, putain. Bon, je pense que je suis remords du coup. J'ai pas été assez vite. Bon, bah, j'ai même loupé ça. Il y a un peu un genre de die and retry. C'est marrant comment c'est fait. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez Limbo, mais si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à faire ce jeu. Pardon. Oh, il s'est pas accroché. Putain de merde. Non. Aïe. Ah, attendez, j'ai un appel important.
Ouais, re. Bon, il y a moyen que... Ah putain, ça me fait reprendre là, du coup. Il y a moyen que je fasse 2-3 petits trucs en attendant, mais je vais essayer que ça prenne pas trop de temps. Mais j'ai eu un appel urgent. Du coup, je vais pas trop avoir le choix que de faire ce qu'il faut. Oh putain. C'est tendu comme une crampe, Natacha! Ok. Oh putain! On a eu chaud! Faut arrêter de me faire peur comme ça, hein. Attendez, y a pas un truc que je peux mettre par là, là? Ça bouge, ça? Ah, ça bouge, par contre. Ok. Oh non! Oh yes. Et Zou. Voilà. Enfin, comme si c'était prévu, quoi, putain. C'est trop stylé, putain. Bon, t'avais peut-être un truc que du coup on n'a pas pu avoir avant. Du coup, je peux l'enlever. Oh là, oh là, oh là, oh là. Détends-toi la nuit. Je ne comprends pas. Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Oui. Donc tirer là-dessus, ça ne sert à rien. Je comprends pas ce que je dois faire avec la pierre. Putain, je dois être con, hein. Je comprends pas comment je peux faire en fait. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Bah oui, ça bloque de l'autre côté, mais quel connard. Je comprends pas non plus. Bah ouais, c'est bizarre.
Est-ce que ça va faire quelque chose du coup? Mais non, pas du tout. Du coup, ça sert à rien celui-là. En fait, faut juste que je le bloque l'arbre avec la pierre, non? Il fallait juste que je bloque là-bas avec la pierre. Putain. Alors attendez, je reste là. J'ai pas d'appel, mais il faut juste que je gère un truc. En espérant que ça passe. Sur mon Gmail, d'accord. Alors attendez. Je suis désolé pour cette petite pause. J'espère être rapide, vraiment. Je me dépêche. Pardon. Ah. Je sais pas si ça va fonctionner, mais j'espère. Hop. Désolé, c'est plus important que le stream du coup, donc vous imaginez que c'est important, sinon je le ferai pas maintenant. Mais là. C'est trop important pour pas que je le fasse. Hop. C'est quoi le format ça? Ah si, c'est du JPEG. Comment ça se fait qu'il puisse pas le lire? C'est du JPEG. Là et je vais re-répondre et je vais mettre en pièce jointe au cas où. Toc. Ok, je suis vraiment désolé. Ok, on y va. Là, on fait un petit point, on saute. Oui! Ok. Même chose. Minute 40 environ, ça va, bon, tant mieux. Si vous me pardonnez. Oh merde! Oh, j'ai tellement failli die.
Et on commence à avoir un peu de technicité hein, dans les menus, dans les levels, pardon. Là, en termes de mental, le cerveau est beaucoup plus. Ok, je voulais voir s'il y avait quelque chose. Beaucoup plus mis à l'épreuve qu'au tout début. De toute façon, même si on te pardonne pas, il n'y a pas le choix. C'est un peu ça en quelque sorte, mais vous pourriez très bien quitter. Ah, les escalades avec nous. Ce que je pardonne pas, c'est d'avoir loupé Brasidas. Non mais gros, mais laisse-moi le temps de venir, non? Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait vraiment que tu vois. Tu te rends compte à quel point je suis gentil? J'aurais pu rien te dire. Et t'as tout regardé ou pas du tout encore avec Brasidas? En même temps, moi, qu'est-ce que je savais, que cette quête-là, ça allait être Brasidas. Non, mais vraiment. Je sais pas quoi faire. Je suis dans la merde. Passe! Non, passe pas. Je serai allé voir de toute façon. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors là, je vois pas du tout où est-ce que je dois monter. Ah, ok. J'ai compris. Et t'as tout regardé déjà ou pas encore? Parce qu'il y avait 2 heures quand même. Stop now! J'ai mis pause dès que j'ai vu qu'il y avait Brasidas. Regarde demain matin si j'ai le temps. Oh, putain, j'ai bien fait de pas te spoiler parce que j'allais en parler avec toi là. Non mais par contre. Vraiment la fanboy, elle a mis pause quand elle a vu qu'il y avait Brasidas quoi. Tu peux t'attacher à celui du dessus ou pas? Merci. Oh putain. Oui. On a eu chaud. Hein. On est au niveau d'un pont là, non? J'aurais pu faire un assaut. Je voulais pas couper en plein milieu après. Oh putain, mais quel connard. Abusé.
Oh putain. Non. C'est à l'autre que faut que je m'attache. Voilà, c'est à lui au cas où. Plus haut. Je peux pas y aller ou quoi? C'est le train, c'est les rails qu'on a vu au début, non? Les petits verrous d'amour. Petit cadenas. Trop stylé. Oh bah c'est la fin. Ouais c'est ça, c'est un train. Oh non, reste là. Le signe infini. On ira voir toutes les photos à la fin. Ça, on n'a pas non plus lui passer toute la nuit, juste la soirée. Bon, du coup, là, je pense que c'est là-haut, non? Bah non, on avait déjà fait, putain, je suis con, moi. Ah voilà, on y est dans le trou. Et on parle pas de ce que j'ai entre les deux fesses, non. Non, 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 non. Je vous arrête tout de suite, ouais. Construction de quoi? C'est une usine? C'est un entrepôt? C'est quoi là-bas? Je sais pas, ça a l'air chelou. Non, 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 je vous vois venir, ouais. Ah. On dira rien alors. Ouais, je préfère. Oh mon Dieu! Hop, on s'en va vite. Et voilà. Pour faire la dernière clope là, on est bien mieux ici. Bien. On notera aussi l'aventure qui est quand même de. Ah bah voilà. De plus en plus triste. Oh là là, mais regardez-moi ça, putain. Je me rappelle plus de ça. En plus sombre, on va dire, parce que c'est pas forcément triste, mais c'est sombre. Oh, je suis au bout. Ah, yes. Oui, c'est sombre, ouais. Oula. D'accord, très bien. Ah, ça me gratte l'oreille, je suis désolé, c'est une horreur. Pour vous comme pour moi.
Il n'y a rien par là. Ce baril de trucs intoxiques. Toxiques ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. Par contre, j'ai plus de mou. J'ai loupé un truc avec du mou. Bah non. Putain de merde. Ah ouais, c'est des trucs de radiation, des trucs comme ça. Incroyablement réaliste ce jeu. Ouais, j'aime beaucoup moi aussi. Oh merde. Putain, la bouteille, elle m'a gêné. Être mieux. Baisse-toi. Ouf, ça va, Just. Ouais, c'est ça, c'est des trucs. Il y a un truc là-dedans. Je peux pas y aller. Non. Faut que ça vire déjà. Oh, ok. Je m'y attendais pas. Oh, j'adore leur piège. C'est facile. Il n'a pas voulu s'accrocher. Ah, faut que je reste au-dessus. Faut que je roule dessus. Alors faut juste que je les bouge un petit peu. Voilà, comme ça. Tout simplement. Hop.
m'étonnerait pas que j'en ai pas assez, mais... Il faut que je m'en sers juste comme balance. C'est tellement bien, putain. Ah, bien sûr. Donc ça, faut que je le prenne. Hop. Je peux passer de l'autre côté? Non. À quoi ça va me servir, ça? À ça. Oh putain de merde. Ok. Et après? Faut que je le prenne et que je me balance pour aller de l'autre côté. Yes. Oh putain. Oh putain. Ah, la bouteille y est déjà. Fallait que je tombe pile poil entre les deux, vraiment. Oh, la télé qui veut s'éteindre. Putain de merde. Alors, je sais pas si c'est possible. C'est possible. Parfait ça. Ça, je peux en faire quelque chose. Oh non! Mais c'est pas possible d'être aussi bête que ça. Il y a des passages compliqués, mine de rien. Oui. Voilà. Tranquille, tranquille, tout doux. Oula. Ah, ok, faut que je remonte. Ah, d'accord, ok, d'accord. Faut que je remonte toutes les pierres. Fonce, petit gars, fonce.
What the fuck, man? Par-dessus la troisième corde. Oh putain. Ah mais non, faut que je m'en serve. Oh là là, c'est trop bien. Faut que j'active la machine. Du coup, j'imagine que d'abord il faut que je monte là-haut, là où il y a l'électricité. Oh là là, c'est trop bien. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Quoi? Oh putain, la vache. Ah, je crois que j'ai compris. Il m'a surpris ce rocher à la fin. Ah bah, je t'avoue que moi aussi, ouais. On fait ça. Ah merde! Merde! Ça. Ça. Ok. Et après, on va là. On laisse sur le bouton. Voilà. Et on revient. Et maintenant, on active. Let's go. Super. C'est trop bien le jeu, putain. Toutes ces petites énigmes là, c'est tellement ouf. Ah, on a quelque chose en dessous. Qu'on va faire avec ça. À quoi ça sert d'avoir ça là? Ah ok. Insane. Ok. Viens avec nous toi. Oh, oh, je t'ai passé en dessous, trop marrant. Yes, grâce à ça, on peut monter là. Putain, mais c'est tellement bien.
Oh. J'étais presque. Putain. Attendez, c'est pas par là? Ça va me permettre de monter à gauche? Ouf, c'était chaud. Qu'est-ce qu'il y a par là, là? Ok, y'a rien. Oh, let's go. Wow. Une araignée. Quoi? Pourquoi il le prend lui? Oh! Ah l'enfoiré. Enfoiré de corbeau. Est-ce assez? C'est la même photo, non? Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est ça, c'est un entrepôt de substances chimiques, des trucs comme ça. Enfoiré, reviens là. Ah, le boss. Ah, il y a un truc en dessous. Waouh! Alors là. Comment je suis censé faire? Faut que le tonneau il vienne avec nous, non? Parce que là, à chaque fois, je suis trop long.
peux pas le pousser. Pourquoi le tonneau il vient pas? Pourquoi il bouge pas surtout? Viens là. Oh, je me suis cramé la gueule. Bon alors là c'est ouais. Là je vois pas à vrai dire. Je vois pas comment je peux faire. Comment je pouvais le savoir qu'il fallait juste se laisser glisser? Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Pourquoi je fais ça? Je suis un peu teubé, quand même des fois. On va pas se mentir. C'est tellement facile. Juste un tout petit peu de dextérité, quoi. On va l'attacher. Tout ça peut teubé, ouais. Voilà, vous voyez, là, je me trompe de tout. Je sais pas pourquoi. Je l'attache exprès comme il faut. Qu'est-ce que j'ai mal fait là? Mon saut était pourri. Ça fait quoi en bas là? Y'a rien. Je me dégoûte, putain. Mais gros, je voulais pas lâcher. Là j'ai eu un bug. Je pensais pouvoir me rattacher. Enfin j'ai eu un bug non. Ah là j'ai visé de l'autre côté. Pas forcément simple ce niveau aussi. Non non il est pas simple mais bon. En fait des fois il s'attache de hyper loin et des fois non en fait c'est ça que je comprends pas. On va arrêter d'être teubé. On va essayer. J'ai rien dit. Putain. C'est pas vrai.
Oh putain de merde. Ça va tomber, putain de merde, mais ça va tomber, c'est sûr en fait, putain. Oh là 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 là, c'était sûr. Ça me casse les couilles, putain. Putain, le jeu qui était tranquille, je me rappelais plus qu'à la fin c'était du Diane Retry parce que tu sais pas ce qui t'attend. Oh la chatte là. Putain de merde. Un checkpoint, s'il vous plaît. Donnez-moi un checkpoint. Oui, merci. Oh, des cafards. Oh, sympa, des cafards qui me bouffent. J'avoue que tu t'attends à un jeu tranquille tout le long, mais pas du tout en fait. Ouais, c'est ça. Ah, le truc bouge avec nous. Mais là, je fais quoi? Je suis baisé, là? Ok, je peux sauter. Ah ok, oh putain de merde. Je vais me faire bouffer. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Oh putain. En fait là je comprends pas où faut aller. C'est peut-être con mais... Oui, eux ils viennent direct parce qu'il y a la lumière. Y'a pas moyen que je l'allume ça là? Je suis pas bien là. Ouais. Bon, en tout cas, je peux allumer cette lampe. Voilà. Ah ouais. Et là je peux pousser ça. Je sais pas jusqu'où je peux pousser en fait. Ok, là je pense que je suis bien du coup.
Putain de merde. C'est stressant les cafards de mort là. Sale corbeau, va. Ok. Ah, super. C'est quoi, le premier, c'était qu'un exemple, c'est ça? J'aurais galéré plus que ça. Mais non mais gros! Putain de merde. Ça me dégoûte, hein. Non. J'aurais pu y aller. Donc là, 1, je peux pas. 2, je peux pas. 3, je peux pas. Et là, je peux. Pas à quoi ça sert d'aller là. Ah, bah voilà, on a compris. Putain, tout ça pour ça. Que là, je peux normalement. Ok, on va pas tenter. Je crois qu'on a bien fait de pas tenter. C'est bien ça, les orages timés. Dans la vraie vie, ce serait bien aussi. En avant! Je sais pas à quoi ça sert. Ok, ça nous sert à monter. Quoi? Ok. Danger! J'ai pas compris, fallait que je la fasse là. Ah!
Je reste attaché. Je préfère qu'il n'y ait pas de littorage du tout dans la vraie vie. Non! Comment j'étais censé faire? Bien sûr. Et oui, comme ça. Je suis trop con, moi. Faut que je passe en dessous. Et là, je pense que ça passe. Je suis pas sûr. Dites-moi non, si c'est bon. Oh putain de merde. Ah. Super. On va encore plus loin la prochaine fois. Non. D'accord, ok. Oh putain. Oh les gros bâtards, je pensais que je pouvais me mettre sur le truc jaune au-dessus. C'est pas par là. Putain de merde. Quoi? Oh. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je peux pas passer là? Non mais vraiment, mais je suis mon god, non? Quand je vous dis que je suis mongol.
Oh. Oh, le corbeau. Voilà, à nous, ça. Oh, ils se battent. Ah, ça c'est comme tout à l'heure. Oh. Mais y'a rien. Ah non plus. Putain. Put put putting. Ok. Ok. Là on est bien, plus d'élec. Du coup. Et splash! Let's go! Let's go, let's go! Pas quelle heure il est là. Ah oui, 23h44, on a fait deux niveaux. C'est intéressant. C'est intéressant. Lumière au placard, sol plein de cafards. Ouais. Et même ici, maintenant, il fait nuit. Là, j'ai tout fait de ce côté-là, non? Oh, mais en fait, il y a encore plein de levels. Ah oui, bah non, on va pas finir ce soir, les amis. Il y a encore 1, 2, 3. Il reste 4 niveaux. Dernière feuille. Et en bas, il n'y a rien. Non. Ok, il nous reste 4 niveaux à faire. On a fait quoi? On en a fait 3 là, je crois. On va en faire un dernier, messieurs, dames. Et puis, on stoppera là-dessus. Comme ça. Attends, on en a fait 3. Il est 23h44. Ouais, 46. Bon, on a commencé un peu en retard. Ouais, on va en faire un autre. Quoique, non, parce que... Si on en fait un là, maintenant... Là, on en a fait 3 en, on va dire... 1h20. 3 ou 2. 3, on en a fait 1 à gauche. Et 2 à droite. On a fait l'araignée avec le corbeau, on a fait là où on n'a pas eu l'araignée, et avant on a fait l'infini. Du coup là il nous reste la lettre, enfin il nous en reste 4 quoi, soleil d'hiver, rouille et dernière feuille. Et du coup on en a fait 3 en 1h30. Donc ouais, en fait non, on va s'arrêter là messieurs dames, on va s'arrêter là, on va aller voir les photos. Et on fera le restant, et bah je sais pas quand.
Peut-être lundi. Je sais pas. Faut que je vois le planning. Je ferai un planning demain si je peux, si j'y pense. Mais du coup, on va discuter un petit peu en attendant. Voilà, hors piste. On peut passer toute une vie à se demander ce qui se trouve au bout du chemin où on peut aller voir. C'est difficile de laisser quelqu'un partir, mais parfois c'est nécessaire. Dans le trou. Ils prétendent être nos sauveurs, disent que nous mourrons de faim sans eux. Nos jeunes ont besoin de travail, mais les prouesses de ces gens n'ont aucun sens. Les promesses, pardon. Comment sauver un lien en le détruisant? SAC. Les sauveurs sont devenus les pillards. Leurs promesses étaient vides et leurs méthodes toxiques. Maintenant, les jeunes partent pour le sud et les vieux restent sur place pour panser les blessures. Voilà. Demain ou dimanche? Oui, c'est vrai qu'on peut le faire, on peut finir le jeu ce week-end. Ouais, je sais pas. Parce que là, par rapport au planning, là. En gros, là, j'ai deux nouveaux jeux qui vont arriver. D'ailleurs, j'ai pas fait le teaser pour le prochain jeu de lundi. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais pris comme photo? Elle est où? Ah, c'est celle-là, je crois. Oui, c'est ça. À combien de teasers j'en étais sur Twitter? 3, je crois, non? Ouais, c'est ça. Tac. Attendez, si je reprends le planning. Parce que j'aime bien ce planning-là, je le trouve pas si mal que ça en vrai dans la façon dont il est géré. Quand il est fait normalement. Et je pense que de toute façon maintenant on le fera normalement. Du coup on a fini Rim. Et bah non, on va faire ça. On va pas faire du Unravel ce week-end. Ouais, on va faire ça. On va faire... du coup, de 20h à 22h, on va faire notre nouveau jeu lundi soir. De 22 à minuit, on finira Unravel.
Mardi, on fera du Rocket League et du Fortnite. Mercredi, du Assassin's Creed. Jeudi, on continuera Child of Light avec du Fortnite. Le vendredi, Assassin's Creed avec Rocket League. Et à la place de Cities Skylines, du coup, on continuera le jeu de... Du coup, Cities Skylines va disparaître de la prog. Et on continuera le jeu de demain, qui est Stories Path of the Destinies. Et le week-end, je m'autorise à faire ce que je veux à l'heure où je veux. Toujours. Et on va faire comme ça, je pense. Comme ça, on finit Unravel lundi. Ça nous laisse. Ça va, on est vendredi, on le fait lundi. Il n'y a que 2 jours entre. Et puis après, il va falloir que je trouve quelque chose à faire le lundi de 22h à minuit. Et pour ça, on a le temps. Alors, il n'y aura pas de jeu de mois de juillet dans les jeux auxquels on va faire. Je vais les télécharger. Non, je vais prendre les 2 jeux gratuits, mais on a 3 jeux gratuits, je crois. Je sais plus. Il y a NBA 2K20. Il y a un Tomb Raider qu'on fera plus tard sur une aventure solo. Et il y a autre chose. Je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est l'autre. Mais voilà. Du coup, on fera ça. Enfin, je les prendrai, mais on les fera pas en live tout de suite. Et je sais pas ce qui remplacera Assassin's Creed après. Et du coup, une fois qu'on aura fini notre nouveau jeu du lundi, je sais pas quoi mettre d'autre comme jeu, je verrai. On reprendra une aventure normale sur autre chose. Peut-être une campagne de guerre, un truc comme ça. Je pense que ça peut être bien. Je sais pas ce que j'ai comme. Attendez. Je vais aller voir ce que j'ai comme autre. Comme autre jeu que je pourrais prendre. Est-ce que j'ai un autre petit jeu en stock ou pas du tout? Que j'ai envie de faire, bien sûr. Mais je suis pas sûr. Je crois que là, dans les petits jeux que j'ai. J'en ai plein qui sont bien, mais que j'ai envie de refaire, j'en sais rien. Et je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai plus la liste en tête ni dans le presse-papier. Ah, bravo, ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah si, il y avait ça qui avait l'air intéressant. Il va falloir que je vois, faut que je regarde. Alors attendez, faut que je me le note. C'est un jeu que je connais pas, du coup il y aurait. Ce serait une découverte, mais je vais quand même aller voir si le jeu est bien ou pas. Avant. Je vais regarder ça tout à l'heure ce soir là. Et je sais pas si c'est un petit jeu ou pas, mais ça m'avait attiré, donc pourquoi pas. Je vous dis pas ce que c'est. En tout cas, je l'ai pas fait.
Ah oui, il y avait ces jeux-là aussi que j'aimais bien, que j'ai jamais terminé. BF1, Sniper Elite 4, Uncharted et Kingdom Hearts. Ouais, exactement. Tout ça là, c'est des jeux. Alors, BF1 non, mais Sniper Elite 4 non plus. Mais Uncharted et Kingdom Hearts, ce sera de toute façon des jeux qui seront amenés à remplacer notre aventure sur Assassin's Creed. Parce que si on fait Uncharted par exemple, on va faire les 4 Uncharted. Donc ce sera une très très longue série et ce sera forcément être amené à remplacer Assassin's Creed. Kingdom Hearts c'est pareil, si on les fait, on les fera tous et ce sera amené à remplacer. Sauf que Kingdom Hearts, du coup, je recommencerai pas depuis le début. J'ai déjà commencé. C'est pour ça que ça m'embête un peu de refaire en live tout. Ça non. Alors j'ai un jeu qui est un jeu d'énigmes et seulement un jeu d'énigmes. Mais qui est bien hardcore si on regarde pas la solution de temps en temps. Mais j'ai un jeu d'énigmes qui est vraiment bien, c'est vraiment des énigmes sympas. Mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc je sais pas si j'ai vraiment envie de le refaire tout de suite, mais. Et qui est bien hardcore par contre. Hein. Tomb Raider, c'est pareil, si on fait Tomb Raider, on fera. Ce sera à la place d'Assassin's Creed, je pense. Un truc comme ça. Ou alors à la place Battlefield 1, ça peut être le lundi soir. Ça peut faire partie des jeux qu'on fait le lundi soir, en fait. Tout ça. Et sur une séance de 4 heures, quoi. Ouais, j'ai pas grand-chose d'autre de toute façon dans ce que je vois. Donc il y a un jeu, j'ai un jeu qui pourrait aller le lundi soir. Il faudra qu'on voit. Donc qui pourrait faire notre 22 minuit. Il faudra que je vois s'il est bien ou pas. Un minimum en fait, sans me spoil de ouf, mais juste savoir un peu les critiques, les bandes annonces, tout ça. Parce que je sais que je l'avais téléchargé à un moment, mais j'ai jamais été voir si c'était bien ou pas. Donc j'irai voir et puis on verra ça ensemble. Bon, en tout cas, messieurs, dames, on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à partir de 14h. Nouveau jeu demain, Stories, Path of Destinies. J'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas si ce type de jeu-là vous plaira. Mais c'est du solo, c'est de l'aventure, c'est du multi-choix. C'est joli, normalement. J'espère que ça n'a pas trop vieilli. Et c'est pas si simple que ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Une bonne nuit. Et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao.